Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur le chantier de Sovelmash. Je suis Alexandre Sudarev et sur notre chaîne, nous vous proposons notre reportage. Nous continuons notre série de vidéos du Nouvel An avec, disons, les cadeaux. En particulier, aujourd'hui, un autre camion avec de l'équipement est arrivé. Il est prévu aujourd'hui de décharger 3 camions. Et maintenant, voyons plus en détail. Maintenant, le déchargement de l'équipement avec un chariot élévateur est en cours. Il sera immédiatement livré au deuxième étage. Qu'est-ce que c'est? C'est un équipement de ventilation qui fournira de l'air pur au futur BTUI. Nous n'empêcherons pas nos constructeurs d'effectuer tous les travaux de déchargement nécessaires. Nos opérateurs donc montreront comment tout devrait fonctionner. Prenez plaisir de voir, amusez-vous. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la vue depuis le deuxième étage. Grâce à l'équipement de construction bien respectable, directement du camion, l'équipement fourni est immédiatement élevé au deuxième étage. Et vous savez, lorsque le deuxième étage commence à se remplir d'équipement, cela me rend heureux à 100%. Il convient également de noter que tout l'équipement que vous voyez sur le chantier, reçu ces derniers jours, la semaine dernière, cette semaine, et qui peut encore être livré, puisque l'année n'est pas encore terminée, je pense que vous apprendrez encore des nouvelles. Donc tout ce matériel a été payé à l'avance. Et la responsabilité et les risques que le Sovelmash a assumés ont permis d'acheter de l'équipement à des prix qui étaient sur le marché avant même que tous les incidents d'envergure mondiale ne se produisent. Je parle de la pandémie COVID-19 et de toutes les conséquences qui en découlent. Et grâce à cela, tout ce que vous voyez ici est devenu possible. La construction se poursuit, le rythme est très élevé et on a pu éviter ce dont beaucoup de nos participants, les participants au projet, les investisseurs, les partenaires avaient peur. En raison du fait que l'équipement a pu être acheté à un prix avant la hausse, il n'a pas eu de flou catastrophique départ, car les prix ont beaucoup changé à ce jour. Eh bien, c'est une autre bonne nouvelle aujourd'hui du chantier de Sovelmash. À plus de rendez-vous, amusez-vous, préparez-vous pour les vacances du Nouvel An et je pense que vous et moi réussirons. Au revoir. Thank you.